R3 Attitude est née en Guadeloupe il y a 2 ans. Elle a pour but principal de collecter les déchets triés, principalement les emballages boissons. Donc on va parler des bouteilles plastiques, des canettes et des gobelets. Pour ce faire, on a mis à disposition des entreprises, essentiellement donc pour les professionnels, des dispositifs pour le tri et on a ajouté une dimension ludique. Donc on va parler de la borne cannibale qui est derrière moi, qui va permettre de trier de manière automatique et de récompenser les éco-gestes avec une gratification. On peut gagner des cadeaux et des bons de réduction. On a également les canibacs qui sont des bacs de récupération pour installer dans les entreprises, les collectivités, etc. et faciliter le tri et répondre aux réglementations, aux obligations du tri 5 flux maintenant imposées de manière nationale et européenne. La particularité également de la borne cannibale est qu'elle est dédiée aux entreprises qui souhaitent communiquer et mettre en avant leurs actions environnementales, aussi bien pour la protection du patrimoine et la biodiversité que pour le développement durable de manière générale avec les énergies renouvelables.